Super concert, vraiment. Il a joué tous ses grands tubes. Et dès les premières notes, c'était Standing Ovation du début jusqu'à la fin. Donc l'île de Ré était riguée hier soir. Il y avait toutes les générations convenues, j'ai vu des tout petits et des gens plus âgés. Ça prouve bien que la musique est universelle et le reggae en particulier. Il a vraiment fait une musique très très généreuse. Il est rentré aux États-Unis après une tournée européenne qui a été couronnée de succès. Il a fait salle pleine chaque soir et notamment hier soir où on a fait une des plus belles jauges depuis le début du festival, si ce n'est la plus belle jauge. Dernière date de la tournée européenne, on a eu la chance de pouvoir se mettre dans cette tournée parce qu'il ne vient pas très souvent en Europe. Donc vraiment, pouvoir offrir ça au public crétin et de la Charente et de la région plus généralement, je crois que c'était vraiment une superbe occasion qu'il ne fallait pas rater. Il est parti un petit peu tôt, malheureusement, mais c'était vraiment magnifique. Il nous a même dit en off que s'il n'avait pas eu cette contrainte, il aurait bien aimé jouer presque une heure de plus. Donc c'est-à-dire qu'il a eu vraiment le feeling avec le public crétin.